c'est ton jour. Happy birthday, happy birthday. Coucou, Lydie d'amour. Aujourd'hui c'est le 21 août. I'm so excited. Je suis tellement excitée. C'est vrai que ça va être la première année que nous on se connaît, on ne fait pas ensemble. Mais je sais que ce n'est pas trop anniversaire, mais je profite pour ce moment pour te dire que l'anniversaire. Tu es vraiment une personne extraordinaire. Tu es une femme battante. Ça qui m'a toujours plu sur toi. Vraiment, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Tu sais que on a commencé, on était perdus ensemble. Et puis le Seigneur s'est dit que tu nous as retrouvés ensemble. Et puis, c'est ça. Je profite de ce moment pour te dire que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde encore une longue vie pour l'adorer. Vraiment, au travers de toi, le Seigneur a beaucoup, beaucoup parlé dans ma vie. Au travers de toi, j'ai vu comment le Seigneur agit dans la vie de quelqu'un. Joyeux anniversaire, ma chère Linda. Je te le dis et je te le redis tout le temps. Je t'aime énormément. Donc, je trouve que tu es une fille vraiment spéciale. Et il y a une qualité de toi que j'admire énormément. Tu es quelqu'un qui ne te plaint pas. Tu ne te plains donc. Quand il y a une situation, toi, c'est comme si naturellement, tu cherches seulement comment on va faire. Et puis, tu ne te plains pas, même si la situation te prend de coup. Et tu es vraiment quelqu'un de très, très patient. Très patient, une très bonne mère pour ton enfant et une très bonne sœur en Christ. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu de te connaître, vraiment. Parce que quand je te regarde, j'apprends beaucoup. Parfois, je reste comme si je dis, mais Linda ferait même comment? J'essaie un peu d'arranger un peu et tout. Parce que parfois, je peux être un peu, bon, disons ça. Mais c'est juste une manière de dire que tu as beaucoup de qualités et vraiment que le Seigneur te bénisse. J'ai un verset en fait pour toi qui illustre très bien ce que je pense de toi. Et j'aimerais en fait que tu le gardes pour cet anniversaire-ci et pour tous les autres anniversaires que le Seigneur va te donner. Donc c'est Ésaïe 30 verset 15 qui dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. » C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je m'arrête là. La suite, c'était pour Israël. Là, je m'arrête là. Donc, j'aimerais vraiment te dire que le calme que tu as et la confiance que tu as dans l'Éternel, garde cela pour toi parce que c'est ça véritablement qui va t'aider et qui va te rapprocher de ton salut. Vraiment, cultive toutes les qualités que tu as toujours en toi et je prie que le Seigneur t'en donne davantage et qu'il exauce les désirs de ton cœur, qu'il continue de veiller sur toi et sur ton bébé, sur Ryan, et qu'il donne à cet enfant de grandir en pleine sagesse et en pleine intelligence, car toutes les mères, en fait, veulent que leurs enfants soient les meilleurs, quoi, veulent que vraiment leurs enfants œuvrent pour le Seigneur et que leurs enfants soient des étoiles qui brillent pour le Seigneur. Donc, je te souhaite de très bonnes choses et une fois de plus, je t'aime encore. Bye bye et joyeux anniversaire. Bonne fête, c'est Linda. Je profite de cette journée pour te souhaiter bonne fête. T'es une femme très belle, très serviable, qui a la crainte de l'Éternel. Je profite de ce jour pour te souhaiter tout le bonheur du monde. Que le Seigneur continue à te garder et à te protéger au nom de Jésus. Coucou, sœur Linda. Alors, je sais qu'on t'avait déjà souhaité un joyeux anniversaire. Mais on va quand même te redire un joyeux anniversaire parce qu'on a décidé de faire une petite vidéo, comme tu peux le constater. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment. Comme je t'ai dit, que tu continues à le servir et vraiment, tu es une bonne mère pour Ryan. Donc, continue à faire ton travail et merci énormément, énormément pour le service que tu nous rends après chaque activité pour nous ramener chez nous. Vraiment, c'est très apprécié et que le Seigneur te bénisse encore et encore. Sois béni. Bon, je ne vais pas être très longue. Je veux juste te souhaiter un joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse. Et vraiment, comme ma soeur a dit, tu as un exemple pour nous. Et vraiment, que le Seigneur te redonne ce que tu désires. Pas beaucoup aussi, hein. Bon, ce qui est réalisable. Et merci, comme elle a dit, pour les services que tu nous rends après chaque culte ou après chaque activité. Donc, profite de cette soirée qu'on a organisée pour toi. Bisous, bye. Bonjour, sœur Linda. J'aimerais te souhaiter joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse richement et que tu continues à être
une bénédiction pour la famille de Dieu et merci encore parce que tu nous cuisines le ndolé. Ah, Solinda, le ndolé que tu avais cuisiné le jour-là. Ah, je te dis, c'était trop bon. Donc, vraiment que le Seigneur te donne encore ce talent de cuisine de ndolé, je sais pas. je dois venir au Cameroun. Il y a de la bonne nourriture là-bas au Cameroun. Donc, que le Seigneur te bénisse vraiment. Joyeux anniversaire à toi. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie et que sa grâce repose sur toi. Et que le Seigneur aussi bénisse. Ryan, qu'il puisse vraiment grandir dans la connaissance et la crainte de la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, nous t'aimons, sœur Lida, que ce soit toujours en feu pour le Seigneur et continue à persévérer. Et je sais que le Seigneur a des projets merveilleux pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Allô, sœur Linda, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Enfin, nous, nous espérons que tu vas bien. Et nous te faisons cette petite vidéo pour te dire comment est-ce que nous t'aimons. Pour te dire que tu es vraiment une sœur qui compte énormément pour nous. On t'a vu venir à l'église, on t'a vu t'attacher au Seigneur, on t'a vu faire de lui le premier, la priorité dans ta vie. Et nous voulons t'encourager à vraiment continuer. Tu es une sœur exceptionnelle, tu es tellement serviable, tu es tellement unique en ton genre. Vraiment, je prie que le Seigneur déverse davantage ses bénédictions sur toi et qu'il continue à t'utiliser puissamment au nom du Seigneur Jésus. Donc, passe une bonne journée et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bye bye. Joyeux anniversaire, c'est Linda. Si je ne faisais pas cette vidéo, Ryan devait demander que, mais où est le président? J'ai décidé de dire quelques mots. Vraiment, je bénis l'Éternel vraiment de te connaître. Je bénis l'Éternel de servir le Seigneur avec toi. Et je prie maintenant le Seigneur vraiment de te conduire, de te donner la maturité spirituelle afin que tu puisses éduquer Ryan dans les voies de Dieu. Afin que par ton comportement, par ton témoignage, qu'il soit ancré et que la foi soit transmise à Ryan. Afin que lorsqu'il atteint la maturité, il continue à persévérer dans les voies de Dieu. Je bénis aussi l'Éternel pour les repas que tu nous fais souvent. Chaque fois que je mange tes repas, ça me rappelle les repas de ma mère au Cameroun. Et je voulais aussi dire que tes un an de plus m'ont inspiré sur mon thème. À me dire que nous n'avons pas le temps à perdre. Chaque année que nous passons, nous rappelle que nous n'avons pas le temps à perdre. Et je prie vraiment que le Seigneur te donne d'utiliser ton temps gracieusement afin que tu l'utilises pour le service du Seigneur. Sois richement béni au nom de Jésus. Seigneur te bénisse, juste pour te souhaiter un bon anniversaire. On embrasse vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi. Et comme je t'ai dit dernière fois, je rends grâce vraiment à Dieu pour ta simplicité dans le service et le témoignage que tu rends par rapport à comment tu t'occupes de Ryan et comment tu continues d'aller aux études et tu prépares vraiment ton avenir professionnel. Et je sais vraiment que le Seigneur va faire encore de grandes choses, tant de ce point de vue-là que même spirituellement et socialement. Persévère, n'abandonne pas et vraiment passe une excellente année dans le nom de Jésus. Coucou, joyeux anniversaire à toi, sœur Linda. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Beaucoup de grâce dans ta vie, que le Seigneur continue de te fortifier dans son œuvre et que tu puisses prier de mille feux. Sois béni au nom de Jésus. Coucou, sœur Linda. Je te donne un anniversaire et on a voulu te faire cette petite vidéo pour te témoigner notre amitié, notre fraternité. Je me rappelle encore de comment on s'est rapproché de l'année connue. On a commencé, c'était lorsqu'on faisait le ménage, on était dans le même groupe nous deux. Et on a appris à se connaître, on a parlé de nos histoires passées, etc. Et ça a été, je dis, avant le Covid, une très belle aventure. J'espère qu'on va reprendre encore les activités. Et j'ai beaucoup aimé cette amitié. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu continue de faire ce qu'il a commencé dans ta vie. Qu'il continue à te bénir, à t'élever aussi bien spirituellement que matériellement dans tous les domaines et qu'il te donne également ce que ton cœur désire aussi profond que nous ne savons pas. C'est la pire des choses que je peux te souhaiter durant cet anniversaire. C'est un an de plus. Je prie également pour ton petit, pour le petit, pour mon beau petit, mon fils, la tante de l'église. On va prendre des cafés ensemble. Et bon, c'est un peu ça. Et puis aussi, j'aimerais que je te dise de ne pas changer. Reste comme tu es. Tu es une personne formidable. Tu es une personne qui donne la joie de vivre. Tu es une personne. Mutuellement, on se donnait des conseils depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Et
parce que tu ne changes pas. Allô Linda, joyeux anniversaire, je te souhaite vraiment tout le meilleur. Je dirais que tu es une personne d'une grande simplicité, c'est quelque chose que j'ai mis chez toi, très facile de contact. Tu es agréable et chaleureuse. Et aussi, je l'avais déjà dit, tu as un grand sens du service, honnêtement. Toutes les fois où j'ai eu à te demander quelque chose, tu n'as même pas hésité, tu l'as fait de bonté de cœur et c'était vraiment naturel et ça m'a beaucoup touchée. Donc tu es une sœur, je t'apprécie beaucoup et mon petit Ryan aussi. Donc je te souhaite juste le meilleur, que les plans de Dieu s'accomplissent pleinement dans ta vie et tu continues à t'utiliser, que votre relation aille en s'intensifiant, en s'approfondissant et que voilà, tu sois toujours heureuse comme tu l'es et que voilà, que tout se passe bien pour toi et pour mon petit Ryan aussi. Donc ne change pas, Dieu, on l'a dit tout à l'heure, ne change pas et que Dieu te garde, qu'il te bénisse. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Pour appuyer encore sur ta gentillesse, je me rappelle que souvent j'oubliais la clé pour le ménage, tu partais volontairement chercher la clé pour faire tous ces tours-là et revenir. Donc c'est juste pour appuyer ça. Tu seras en train de dormir. Ouais, sinon elle allait t'aider, tu fais un coucou avec un peu de cri et puis de chien. Ouais, bon, tu la connais. Ok. Donc porte-toi bien et à la prochaine. Bye. Bye. Ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour, éternel mon ami, mon appui qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour. Éternel mon ami, mon abri, qui me couvre. Hey, aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. J'étais né pour échouer, mais tu changes jamais leur joie. Éternel mon rocher, mon seul espoir. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Je te louerai pour la vie. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu l'œuvre du roi. Je ne pourrai compter tous tes bienfaits pour moi. Alors écoute les battements de mon cœur, rien que pour toi. Merci pour ton amour, éternel mon ami, mon abri qui me couvre. Hey, aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci.
sauver. Je te louerai.